Allô, moi c'est Antoine Desloges, je suis diplômé EDIM 2019 de l'UTBM et je suis à l'heure actuelle à Montréal au Canada pour un DESS en design d'équipement de transport. Donc je suis toujours étudiant ici au Canada. En ce qui concerne les mesures de confinement ici, elles sont très semblables à ce qui s'est passé en France. Elles ont été prises à peu près au même moment. Néanmoins, nous on est encore libre de nos mouvements dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir un prétexte pour sortir à l'extérieur. Il n'y a pas de système d'amende encore de mis en place. Et puis, bah, comme en Europe, tous les magasins autres que nécessaires à la vie quotidienne sont fermés. Ensuite, en ce qui concerne les journées de travail, bah, écoutez, ça a été un petit peu compliqué, on va dire, au début, puisque je suis dans un processus de création de forme et donc on a besoin de toucher la matière et d'aller à l'atelier pour pouvoir modeler nos idées. Toute cette partie-là du processus a dû être mise de côté et voire annulée dans l'avancement de notre projet. Donc on continue à travailler par ordinateur et puis le dessin, bien sûr, pour faire avancer le projet. En ce qui concerne les loisirs, je pense que c'est à peu près comme tout le monde, je regarde des films. Lire aussi, c'est très important et j'essaie de garder des livres à disposition pour pouvoir lire le plus souvent possible. Et puis aussi s'ennuyer un peu, méditer, c'est assez important et c'est, je pense, une de mes astuces pour garder la banane. Il faut aussi, je pense, essayer de garder comment dire, une activité physique, c'est ce qui permet aussi de garder le moral, je pense. En tout cas, pour moi, ça marche plutôt bien. Et puis un message succinct pour les UTBM du bout du monde, bah, courage à tout le monde et puis on se revoit bientôt.